Donc, je m'appelle Michel Vigouroux, je suis agriculteur à la retraite maintenant et j'ai 68 ans. Oui, donc on a installé un moulin en 2010 pour triturer au départ uniquement notre récolte qui était environ de 10 tonnes d'olives par an. Donc ça nous facilitait la tâche parce que c'est mon fils qui avait décidé, comme il a repris l'exploitation agricole, il a décidé justement d'acquérir un moulin pour nous faciliter la tâche et de travailler surtout sur la qualité de l'huile d'olive, puisqu'on récolte et on triture le plus rapidement possible après la récolte. Ça nous évitait de prendre rendez-vous à un moulin et d'attendre. Donc on avait notre outil de travail, ça nous facilitait beaucoup la tâche. Bon, ensuite, notre production a progressé. Actuellement, on produit entre 20 et 30 tonnes d'olives. Et donc, on a un moulin qui est plus gros, qui passe à environ 350 kilos d'olives à l'heure. Et pour amortir un peu les frais D'achat du moulin. les frais d'amortissement, on triture aussi un peu pour des voisins, pour des amis. Et donc, ça nous fait à peu près en tout, on va dire 40 tonnes d'olives qu'on triture à l'année. L'avenir, c'est mon fils qui continue l'exploitation et qui justement va continuer la culture de l'olivier et la trituration. Donc la surface qu'on cultive en olivier sur notre exploitation est de 5 hectares. On a 5 hectares d'olivier et en fermage, je crois qu'il y en a 4 ou 5 hectares aussi. Voilà, donc en tout une dizaine d'hectares d'olivier. Sur lesquels on récolte le tonnage que je vous ai dit, entre 20 et 30 tonnes. En variété, vous avez Les plusieurs variétés, variétés. on a plusieurs variétés, bien sûr, on a toutes les variétés ardéchoises, rougette de l'Ardèche, négrette, blanche de Pézac, qui est une variété locale, qui est reconnue au niveau national. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme variété? On a aussi de la Glando. La Glando, c'est une variété du Vaucluse. Et on a aussi une variété italienne qui est Frantoio. Frantoio est une variété italienne qui est originaire de Toscane. Voilà. Donc pour la production, les huiles, on assemble par exemple la Glando avec la Frantoio, qui est un très bon assemblage. La rougette, qui a beaucoup d'amertume et d'acidité, pas d'acidité, de piquant, on l'assemble avec de la négrette. Donc on fait des assemblages. La blanche de Pézac, on la fait par contre seule. On fait des cuvées de blanche de Pézac quand la récolte nous le permet. C'est une olive qui est assez capricieuse, donc ça ne produit pas tous les ans, on va dire. Ça produit tous les 2 ans environ. On a une récolte conséquente. Et voilà, à peu près c'est à peu près tout ce Et que je peux vous dire au niveau de. vous êtes en production bio, sinon? On n'est pas. On est, Oui, on est en bio pour la vigne, mais pas pour le. Ouais, Pour en le améliorer. mais dans tous les cas, on n'utilise pas d'insecticides. Et on n'utilise pas d'insecticides pour traiter justement les parasites De la comme la mouche. mouche. On est situé à Pézac, qui est une petite commune rurale située en Ardèche, dans la zone septentrionale, on va dire, de la culture de l'olivier, puisqu'on est dans les Cévennes. On est à une altitude moyenne de 250 mètres environ. Voilà, donc on est en limite de production de la culture de l'olivier pour l'instant. Après, avec le réchauffement climatique, on ne sait pas jusqu'où il y aura des changements. Peut-être que la culture va évoluer vers le nord, mais bon, pour l'instant, c'est la culture. C'est l'avenir qui nous le dira. C'est la culture. On est en culture septentrionale. En fait, l'Ardèche, la situation où on est, on a les oliviers en fait les plus hauts cultivés en latitude d'Europe, quoi. Au-delà de cette latitude, il n'y a plus de culture d'oliviers. On peut trouver des oliviers, bien sûr, d'ornement. On peut en trouver partout, en Isère, dans les Ardennes, ou je ne sais pas où. Mais pour la culture, c'est uniquement ici qui est la culture septentrionale, la culture de l'olivier. C'est Voilà. vrai qu'avec le changement climatique, les oliviers ont tendance de remonter un petit peu. Le changement climatique, les oliviers ont tendance à remonter un petit peu vers le nord.